cette question et il ajoute, je n'étais pas encore né. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Éminent Tata Cardinal, vous remercie pour l'initiative de lancer un appel urgence terrain Funa pour marquer notre présence sur notre terrain qui doit accueillir la construction d'une basilique qui fera la fierté de notre église de Kinshasa et de la RDC, de la ville-province de Kinshasa en particulier et de notre beau pays en général. Le rapport de recette de l'opération urgence terrain Funa vous a été donné par l'économat diocésain qui gère le compte. En monnaie locale, en francs congolais, nous avons reçu 85 430 500 francs congolais, en dollars USD, 48 673, en euros, 8 750 euros, autre monnaie, 50 dollars canadiens, 5 000 francs CFA, 20 000 rand South Africa, 50 000 shillings ougandais, 50 shillings kenyans. En nature, nous avons reçu un don de 600 sacs de ciment, dont 50 sacs du PAM, par le concours du père Eric Congo, Grand Carme, et 100 sacs de la paroisse Saint-Michel. Les 600 sacs ont été réceptionnés par l'économat diocésain. Nous applaudissons ces bienfaiteurs. Nous avons peint le sable, remplissage de la partie marécageuse de notre terrain de la Funa. C'est le don qui vient de M. André Moussoumou-Boua, un chrétien de la paroisse Saint-Sacrement, que nous applaudissons. À nous fournir un pain de sable qui nous permettra de remblayer la partie marécageuse. Papa Cardinal, vous nous avez confié la suivi des travaux de ce terrain. Nous ne pouvons pas ne pas vous dire qu'il y a eu des rubriques qui se sont ajoutées à part celles pour lesquelles vous aviez lancé l'appel aux chrétiens qui ont répondu favorablement. Et vous les trouverez dans le rapport. Les réalités sur terrain, la descente sur terrain du comité de suivi terrain Funa nous a permis de nous mettre en face des réalités de ce terrain qui a deux parties. La première partie où les jeunes sont assis pour écouter votre catéchèse et la deuxième partie beaucoup plus difficile à cause du marécage qu'il y a qu'il faut remblayer. L'évolution des travaux, les travaux progressent à un bon rythme. Le grand podium et la première croix sont finis et nous vous prions, Papa Cardinal, de le bénir. C'est le premier module des travaux. Deux, il y a la galerie de 20 toilettes, 10 pour les hommes, 10 pour les femmes, et la sacristie avec toilette à l'intérieur sont en cours de construction, suivis par l'équipe COPAM, dirigée par le père Eric Congo, et le podium et la croix étaient dirigés par notre bureau de construction de la deuxième rue, que je vous prie d'applaudir très fort. Aussi, comme je l'ai dit si haut, car le premier défi présenté par OVD a sous-estimé la réalité du terrain qui a une partie marécageuse, qui a une profondeur de 1,80 m
dont le rechargement est estimé à 662 428,80 $ USD. Devis présenté par OVD. Ce qui reste à faire, il faut penser au mur de clôture de notre concession FUNA. Pensez à planter la pelouse et les acacias pour que nous ayons de l'ombre. Pensez au plan de la basilique pour présenter sa maquette et continuer l'appel lancé aux chrétiens. Permettez-nous, Éminence, de finir par un mot de remerciement. Nous remercions ici les membres du bureau du comité de suivi Urgence Terrain FUNA. Nous remercions notre bureau de construction de l'économa de la 2e rue et tout son personnel. Nous remercions nos avocats Maître Mbou et Firi, avocats de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous remercions l'équipe de construction du PAM, conduite par le père Éric Congo, qui continue les travaux pour la galerie des toilettes. Nous remercions le directeur de l'OVD et surtout l'ingénieur Monsieur Timothée Monomoni, qui jour et nuit a dirigé les engins sur ce terrain, et les engins sont encore là. Nous remercions la police nationale qui assure la sécurité de notre terrain nuit et jour. Papa Cardinal, au stade Tata Raphaël, à la journée diocésaine des jeunes, le dimanche des rameaux, les jeunes vous ont demandé de leur confier ce terrain pour leurs activités avant la construction de la basilique. Vous n'aviez rien répondu, comme si vous avez voulu leur répondre par un acte concret. Ce sont vos jeunes qui sont invités les premiers sur ce terrain pour qu'ils écoutent votre catéchèse. Je réitère Éminence à leurs excellences et à vous, nos très chers jeunes, ce terrain est le terrain de l'Église catholique romaine. Je vous remercie. Sikawa tata Christophe Alokumu akobenisa sambo ya biso tolanda yango na bokeli tokosenga na balanga nzembo bamilenge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, qui pour nous a été cloué à la croix, soit avec vous tous. Et avec votre esprit. Au moment de bénir cette nouvelle croix, nous devons raviver notre foi dans la puissance de la croix du Christ. Selon le dessein éternel de Dieu,
elle est dressée désormais comme le signe du salut pour tous les peuples. En regardant la croix, souvenons-nous de quel amour le Christ a aimé l'Église, puisqu'il s'est livré pour elle jusqu'à la mort. En saluant la croix, souvenons-nous que le Christ a détruit par son sang tout ce qui divisait les hommes et qu'il a fait de toutes les nations le peuple de Dieu. En vénérant la croix, souvenons-nous que nous sommes les disciples d'un maître crucifié et que nous devons le suivre en portant chaque jour notre croix. Au 11e verset. Frères,
Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition des dieux, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal des dieux. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition des serviteurs. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré les noms qui surpassent tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Sois-nous favorables, nous qui avons érigé cette croix comme le signe de notre foi, et accorde-nous de rester unis ici-bas au mystère de la passion du Christ et d'avoir ainsi la joie de participer pour toujours à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Pour que
soit faite en nous la volonté du Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, tu n'as pas voulu d'autre sacrifice que celui de Jésus, ton Fils, sur la croix, pour le salut du genre humain. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix soit pour nous la résurrection et la vie. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. De nous quitter à la fin de la cérémonie, chacun de nous est invité à vénérer la croix et à penser à tout le mérite que nous avons eu de Dieu par le sacrifice de la croix. Excellence,
Distingués invités, frères et sœurs, je m'empresse de vous souhaiter une cordiale bienvenue à ces catéchèses publiques axées sur la paix, la justice, la fraternité, la réconciliation et le procès et le dialogue. Nous remercions les organisateurs de ces catéchèses et saluons l'ingénieuse idée de Tata Cardinal Pandarcé. Je ne cesserai jamais de le dire, la jeunesse catholique de Kinshasa aime vous écouter. Elle a toujours souhaité et souhaite porter haut la flamme de vos enseignements partout dans les milliers de vies. Vous avez devant vous, en cette période de vacances et des activités foraines de toutes sortes, les jeunes de notre région Kinshasa-Ouest, venus comme ces foules qui se pressaient autour de Jésus pour écouter vos enseignements, assimiler les pensées et les directives de leur pasteur. Ils ont faim et soif de savoir. Ils portent en eux une volonté. Ils ne cherchent qu'à se mettre au service du bien, du beau, du grand, de l'excellence. Ils sont disposés à tout mettre en œuvre en vue de faire de notre pays, de notre Église du Congo et de notre archidiocèse une pépinière du bien, du beau et de la vérité qui sort. La jeunesse de notre région Kinshasa-Ouest vous accueille avec joie ce jour. Et ses 10 enseignements, afin qu'elle s'élève et resplendisse de la lumière du Christ. Éminence de la cardinale, na monsieur l'abbé aumônier de Gênes, pour Téyepe, à le Balabiso Maïe à l'Engeli. Cardinal, Excellence, Messeigneurs les évêques auxiliaires, Messieurs les abbés, Révérend Père, Révérends frères, révérendes sœurs, chers jeunes, Boboto, Bondeko, Bilengesa, Bilengesa, c'est une immense joie pour nous de prendre la parole du haut de ce podium pour adresser à cette grande assistance les mots résumant l'expression de notre traditionnelle catéchèse. Nous voulons tout d'abord rendre grâce au Seigneur, maître de toutes circonstances, pour cette occasion qu'il nous a offerte de nous retrouver une fois de plus autour de notre Père, les cardinals Laurent Monseigneur Passigna, ainsi que de leurs excellences, nos seigneurs, les évêques auxiliaires, pour célébrer, pour écouter la parole de Dieu. Nous, jeunesse de Kinshasa, nous sommes ravis. Et nous, notre joie ne fait que déborder, puisque aujourd'hui, notre Père, le cardinal Laurent Monseigneur Passigna, a accepté que nous soyons les premiers chrétiens de l'archidiocèse de Kinshasa à fouler les sols de ces sites de Funa.
Et c'est goté. Tobete lisan bébé, tobete litata maboko. Oui, éminence, nous. Merci, Tata Cardinal, d'avoir écouté et d'avoir répondu à la demande de nous, vos enfants, et de nous avoir réunis ici pour assister notre joie. Et notre joie est immense, notre joie est débordante. Oui, c'est une tradition pour nous, jeunes de Kinshasa, de nous retrouver autour de vous. L'année passée, nous avons été avec vous. À Maluku comme à Kimwenga, vous nous avez inspiré, vous nous avez enseigné, vous nous avez invité de quitter les conforts pour aller vers les périphéries de notre vie. Et là, vous nous avez exhorté à ne pas imiter l'exemple de ce jeune homme riche qui a choisi les biens des gens, le Christ. Alors que le Christ est la source de tout bien. Lors de la même occasion, Père, vous nous avez invités, nous jeunes, à devenir des apôtres des jeunes. Ainsi, notre mission est d'enseigner, mais aussi d'évangéliser dans nos milieux de vie. Oui, les jeunes ont l'ardeur. Les jeunes sont comme les printemps pour l'Occident, comme disait le pape François lors de la grande messe de clôture des Journées mondiales des jeunes. Rio 2013. Ces jeunes sont prêts à aller annoncer la bonne nouvelle. Vous nous avez rappelé, Père, que pour devenir apôtres du Christ, nous sommes appelés à opérer un choix, à choisir le Christ plus que tout et à mettre le Christ au centre de toute notre vie. Ces enseignements ne sont pas restés lettres mortes dans la vie de nous, jeunes de Kinshasa. Bobo-to. Lors de la grande messe célébrée au stade Tata Raphaël, vous nous avez, Père, j'aime aujourd'hui, par nation, attend beaucoup de nous. Et vous avez ajouté, c'est du sérieux. C'est la jeunesse qui dépend notre avenir. Car un jeune qui s'assume aujourd'hui et qui vit comme il faut, les valeurs est appelé à grandir et à devenir un responsable pour l'Église de demain. Nous sommes encore pères dans l'homme et qui nous reste, mais aussi tous les jeunes de Kinshasa. Nous sommes prêts, nos oreilles sont prêtes à vous écouter et nous sommes sûrs, nous vous rassurons, cher Père, que tout ce que vous direz aujourd'hui, puisse le Seigneur lui-même vous bénir dans votre lourde charge et combler des grâces tous les jeunes de Kinshasa. Je vous remercie. Bilégué à Kinshasa, au Katia Bisso, Tosali, la bande de Baye, Bilégué Baye, la paroisse Saint-Hippolyte, Yavid Yabandoudou, Bilégué à Pépé, Amen les petits anges, Baba Outi, la Kenge, Sika Bosali, Bote, le Nipote, Genèse, Kinoise, et Yambabino, et Sika Bosali. Tokoti Kalanzela na Balama Zembo, Bakoti la biso louange, jeune et si Kaozali au Télémi, Tola qui s'attendait plus qu'à côté,
toye koyoka mateya, toye kokumisa nzambe, pona malamu maso, azali kosala biso. Chorale.